Longtemps rejetée par sa famille à 88 ans, Brigitte Bardot prépare son décès. S'il y a bien une chose qui manque dans la vie de Brigitte Bardot, c'est la famille. L'actrice entretient en effet une relation tendue avec son fils unique, aîné, par conséquent pas proche de ses petits-enfants. Le 28 septembre 2022, Brigitte Bardot a soufflé sur sa 88e bougie. L'occasion de revenir sur la vie de la comédienne. Dans sa jeunesse, celle-ci a fait fondre les cœurs de nombreux hommes par sa beauté. Parmi ceux qui ont succombé à son charme, Jacques Charrier. Ce dernier est notamment le père de l'enfant de la chanteuse. Le fruit de leur amour s'appelle Nicolas Jacques Charrier et il a vu le jour en 1960. Mais Brigitte n'a jamais caché qu'elle n'avait jamais voulu avoir un enfant. L'actrice n'avait pas cet instinct maternel dont on parle tant lorsqu'elle est devenue mère. De ce fait, elle n'a jamais vraiment été proche de son unique fils. De plus, ce dernier a été élevé par son père suite à la séparation de ses parents. Il a donc vécu loin de sa mère durant presque toute sa vie. Brigitte Bardot est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. L'interprète de « Moi je joue » dit toujours ce qu'elle pense, même si cela pourrait blesser certaines personnes. Elle a par exemple clamé haut et fort le fait qu'elle n'a jamais voulu d'enfant. Dans les colonnes du Parisien, elle avait raconté que son fils, Nicolas Jacques, était né au mauvais moment et ne lui avait pas apporté ce qui manquait dans sa vie. En effet, à la naissance de son fils, bébé s'est senti seul et manquait beaucoup de soutien. « Il me manquait des parents, des gens qui m'aident à vivre », disait-elle. Et sa rupture avec le père de son fils n'avait pas arrangé la situation entre Brigitte et sa progéniture. Ainsi, la chanteuse n'avait jamais pu créer de vrais liens avec Nicolas Jacques. Et ensuite, à la publication de l'autobiographie de la chanteuse, leur relation s'est encore plus dégradée. Dans le film, la comédienne a en effet qualifié sa grossesse de tumeur qui s'était nourrie en elle. Brigitte Bardot a aussi affirmé qu'elle aurait voulu donner naissance à un petit chien plutôt que de son enfant. Des mots qui ont énormément touché Nicolas Jacques Charrier. Ce dernier a alors décidé de porter plainte contre sa mère en l'accusant de porter atteinte à sa vie privée. Depuis, le lien entre Brigitte Bardot et son unique fils a complètement été détruit. Au fil des années, Nicolas Jacques Charrier a grandi et est aussi devenu parent à son tour. Il a en effet fondé une famille avec la top modèle Anne-Lyne Bjerkan et ensemble, les deux tourtereaux ont eu deux filles. Elles s'appellent Théa et Anna et sont devenues grandes et jolies femmes. Vous vous demandez sûrement si Brigitte Bardot est proche ou non de ses petites filles. Eh bien, à en croire les dires de la chanteuse, celle-ci n'a pas du tout un lien étroit avec ses petits-enfants, ni même avec les autres membres de son clan. « Ma famille, je ne sais même pas où elle est », disait-elle dans les colonnes de Gala en janvier 2022. En poursuivant, elle avait aussi affirmé ne pas communiquer régulièrement avec ses deux petites filles, d'autant plus que Théa et Anna ne parlent pas du tout français, comme l'avait précisé leur grand-mère. Notons que ce n'était pas du tout la première fois que bébé parle de sa famille dans ses interviews. Auprès de Laurent Delahousse, l'actrice avait déjà révélé que son fils vivait en Norvège, mais qu'elle avait quand même des relations avec lui. Elle avait aussi fait part de son amour pour ses petites filles malgré les tensions qui existent dans sa famille. « Je les aime beaucoup, elles sont belles en plus », a-t-elle déclaré. Par ailleurs, désormais, l'une des petites filles de Brigitte Bardot est aussi maman de deux enfants, faisant de la comédienne une arrière-grand-mère. « Je n'en reviens pas d'avoir des arrière-petits-enfants. Bien sûr, j'ai 87 ans, mais je vous jure que je n'ai pas l'air de les avoir. Je n'ai pas de cheveux blancs et je suis mince », disait-elle. Même si Brigitte Bardot n'entretient pas des relations étroites avec son fils et ses petites filles, l'actrice peut quand même compter sur une personne en particulier. Il s'agit de Bernard Dormal, avec qui la maman de Nicolas est en couple depuis plus de 20 ans. C'est à Saint-Tropez, pendant un dîner organisé par l'avocat Jean-Louis Bergerot en 1992, que Bernard a fait la rencontre de la star. Comme Brigitte Bardot l'avait indiqué dans ses mémoires, initiales bébé, elle et son chéri ont eu un coup de foudre mutuel dès l'instant où ils se sont vus pour la première fois. La star du film « Et Dieu créa la femme » est également certaine que Bernard Dormal restera son mari pour le reste de sa vie. À part son compagnon, la maman de Nicolas éprouve également un grand amour pour les animaux, les défendant bec et ongles. La comédienne a par exemple écrit un message aux matadors et leur a souhaité une vie de merde. Par ailleurs, Brigitte Bardot est propriétaire d'une maison à Saint-Tropez qu'on appelle la Madrague. Elle avait acheté cette demeure vers la fin des années 50 et depuis, la maison compte énormément pour elle. Dans l'un de ses livres, Brigitte a d'ailleurs révélé son désir d'être inhumée dans le jardin de la Madrague. « J'aime le lieu de mon repos éternel, je l'ai choisi avec conscience. Les formalités ont été effectuées, un endroit précis a été accepté par les autorités », a-t-elle déclaré. Si Brigitte Bardot a choisi ce lieu pour son repos éternel, c'est parce qu'elle veut éviter qu'on abîme le tombeau de ses parents. Il faut noter que ceux qui voudraient visiter sa tombe dans la Madrague, reconvertie en musée, devront payer. Et vous, que pensez-vous des dernières années de Brigitte Bardot? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.
Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.